Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Silicon Valley, The Complete Second Season, la série créée par Mike Judge, John Altshuler et Dave Krinsky, et distribuée par HBO, Warner Bros., Emma Vedette, Thomas Middleditch, TJ Miller et Josh Brenner, sortie en magasin le 19 avril 2016. Après leur réussite imprévue à une conférence qui a permis aux membres de Pied Piper, une petite entreprise en informatique, d'être enfin reconnus, ceux-ci se voient mis en demeure par l'énorme corporation Hooli. C'est que le dirigeant de Hooli en veut personnellement au technicien de Pied Piper de lui avoir damé le pion et a décidé d'imposer une poursuite le temps que son standard de compression soit publié. J'avais déjà beaucoup aimé la première saison de Silicon Valley, la dernière offrande de Mike Judge, créateur et producteur de génie à qui l'on doit Beavis and Butthead, Office Space, King of the Hill et Idiocracy. On y retrouvait une volonté toute simple de faire rire tout en créant des personnages intéressants, bien typés et psychologiquement un peu plus profonds et différents que ce qu'on peut voir en général dans les comédies télévisées américaines. Je dois dire que j'ai été un tout petit peu déçu par la deuxième saison. Non pas qu'elle soit ratée, mais j'ai comme eu l'impression que l'humour y est beaucoup plus mis de l'avant et se distingue un peu moins des sitcoms au succès récent comme Parks and Recreation ou The Office. Sa deuxième saison débute par le grand succès de Pied Piper, mais ça prend pas de temps que la petite entreprise se trouve dans le trouble. Et c'est pour le mieux, mais c'est pas spécialement original de retrouver nos héros à leur point de départ. Une façon plus subtile et intrigante aurait été de faire évoluer la startup et les interactions entre les personnages à partir des acquis de la première saison, mais bref. Côté nouveauté, deux personnages importants ici. Tout d'abord, le décès de l'excellent acteur Christopher Evan Welch a obligé les scénaristes à trouver un remplaçant pour son rôle du richissime mécène de Pied Piper. C'est Susan Cryer qui reprend un peu le rôle du gestionnaire d'affaires. Et disons que c'est un rôle qui manque un petit peu de compétences sociales. Elle est plus absurde que vraiment drôle pour l'instant, et les scénaristes n'ont malheureusement pas trouvé de bonne façon de l'exploiter encore. En revanche, Chris Diamantopoulos, un jeune milliardaire arrogant, ignorant, idiot, est absolument génial, une excellente critique du genre de désastre qui peut arriver lorsque quelqu'un devient riche du jour au lendemain. L'humour est constant ici, les personnages excellents, mais il manque un peu de mordant, on ne retrouve pas de scène aussi tordante que dans la première saison, et je trouve que les réalisateurs abusent un peu trop de reaction shots pour souligner à gros traits les gags, ce qui est absolument pas nécessaire. L'humour de Silicon Valley est grinçant et pince sans rire, mais on a forcé un peu la note ici. Certains récits abusent de Deus Ex Machina, par exemple celui qui implique un voisin un peu trop intéressé à savoir ce qui se passe dans la petite maison hébergeant Pied Piper, et l'arrivée de nouveaux employés n'est pas très bien exploitée. Heureusement, l'histoire parallèle du personnage de Big Head vaut largement le détour et permet à l'équipe de Mike Judge de renouer un peu avec la satire mordante des stratégies corporatives aussi ridicules qu'immorales. Les 10 épisodes sont présentés à 1x78 anamorphique sur deux disques, avec PIS Audio en anglais, DTS HD 5.1, espagnol DTS 2.0 et français DTS 5.1. Les sous-titres sont offerts en anglais, français, espagnol, danois, finlandais, norvégien et suédois. On retrouve une piste de commentaires des membres de l'équipe sur pas moins de 6 épisodes, des scènes supprimées et une featurette sur les vrais éléments de l'histoire de Silicon Valley. C'est des suppléments assez succincts, mais qui en offrent quand même pas mal pour les plus fanatiques de la série. Le coffret contient les deux Blu-ray ainsi qu'une copie digitale ultraviolet. Comme comprennent bien, la deuxième saison de Silicon Valley demeure excellente et hilarante, mais c'est un pas en arrière selon moi, même si les personnages demeurent fabuleux à suivre et la critique de ce petit monde de génie carburant aux idées pour arriver à décrocher le gros lot demeure pertinente. Inutile de dire que 10 épisodes d'une demi-heure passent beaucoup trop vite, mais ce qu'offrait Blu-ray propose quelques petits suppléments qui vont nous faire patienter avant la troisième saison. C'était Gilles, merci, bon visionnement.